Bye. 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 Je t'écoute, je te laisse prendre des barrières. Je fais exprès de te laisser prendre des barrières, te prendre des murs. Et ben le problème, c'est que le jour où tu vas passer un cap, c'est le jour où tu écouteras ce qu'on te dit, quoi. D'accord ? Je te reprends pas depuis tout à l'heure. Tu me fais pas une seule passe correctement. Je t'ai pas repris une seule fois. D'accord ? J'ai pas envie de t'enfantiliser devant la caméra. Le problème, c'est que si t'écoutes jamais rien, le résultat, tu progresses pas, quoi. T'as des qualités, tu t'en sers pas. D'accord ? Tu crois que ça me fait plaisir de te voir, te retourner ? Je sais que tu vas te prendre un gros brin du mec qui arrive, quoi. Tu vas te le prendre, le brin, quoi. Si je te dis... Si avance avec ton ballon, c'est bien pour la sécurité. Et la tienne, surtout, quoi. Donc me trouver des excuses comme quoi tu vas te prendre la barrière, tu sais très bien que je vous signale avant que vous preniez les barrières. Entre ce que tu dis et ce que je ressens, c'est différent. Je le sais. Et c'est pour ça que... Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise ? C'est quoi le lâcher prise ? On travaille systématiquement le lâcher prise. Il y a ce lâcher prise qui fait qu'on rentre dans un espace de liberté. Réinvestir un espace de liberté peut paraître anodin. Quand on a été modelé, reconstitué pour justement freiner toute la liberté, parce que quand on est non-voyant, être libre, c'est aussi peut-être potentiellement sujet à un danger. Il faut passer le cap d'être dans le noir. Et quand, voilà, quand on est malvoyant, le peu de reste visuel qu'on a, c'est pas que c'est bénéfique, mais c'est, on veut s'y accrocher, quoi. On veut pas le perdre. Quand on m'a dit la première fois que tu vas mettre le bandeau sur les yeux, on n'y croit pas, quoi. On dit c'est pas possible qu'on peut jouer au football avec les yeux fermés. Ça m'a pas découragé, ça m'a pas mis une barrière. Je suis allé vraiment comme si c'était vraiment du foot. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Pour moi, les aveugles, c'était des gens qui étaient confinés à l'ombre, qui étaient confinés au noir, donc qui étaient confinés à l'inactivité. C'est pas pour rien que pendant des années et des années, on leur a donné des noms qui signifiaient qu'ils ne pouvaient pas faire. C'était des infirmes, c'était des incapables, c'était des gens qui étaient réduits à exercer simplement dans des zones de métier ou d'activité humaine qui étaient extrêmement étroites. Et là, on est dans le jeu, on est dans le football, on est dans quelque chose qui est universel et qui est en même temps du jeu et en même temps... Des messages qui sont donnés à ceux qui voient. Alors, Abdel, j'ai ton maillot. Le championnat de France est important au niveau de la préparation pour les Jeux paralympiques, pour avoir du temps de jeu surtout, pour mettre en place des tactiques, des schémas. D'attaque, de contre-attaque, de défense. C'est notre première compétition de l'année. Là, je parle du club Bordeaux. D'accord ? Première compétition de l'année. Et c'est une compétition d'évaluation pour vous tous. Évaluation. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire voir où vous en êtes sur le plan de la logique du jeu, sur tous les compartiments du jeu. C'est une logique d'évaluation pour, sur le plan individualisé pour chacun d'entre vous. Fred, je t'ai vu rapidement pour te dire qu'il n'est pas question que je te retrouve dans un registre de jeu qui est le registre Bordeaux, d'accord ? C'est-à-dire médian, moyen. Je te repréciserai ce que j'entends par là. Ralifa, il faut que je te retrouve dans un registre de postulant au haut niveau. Tu comprends ce que ça veut dire ?
Voilà. Postulant au haut niveau, ça veut dire qu'il faut que tu me montres que tes qualités d'homme, de footballeur, de performance te permettent aujourd'hui de te dire, de dire je peux postuler vers de la qualité. D'accord ? Fred, axe. Fred, axe. Droite, et tu frappes. Droite, et tu frappes. Tu es arrêté, Fredo. Arbitre, on tourne. Ralifa, tu sors. Je vais commencer à vous sortir les uns après les autres. Hein. Je vous dis, hein, je ne suis pas venu là pour me prendre la tête. Hein. À ton avis, je te sors pourquoi ? Sur le plan du jeu, je veux un jeu collectif. Sur le plan de la finition, tu me fais une finition réactive à la fin. Tu n'es jamais maître du ballon quand tu décides de frapper. D'accord ? C'est-à-dire que tu fais un truc comme ça. Tu comprends ? Relâche. Là, tu me fais une conduite de balle, un échauffement. Là-bas, tu me fais un truc qui ne ressemble à rien. C'est pas du foot. Donc, mets-toi sur le côté, comprends bien, tu as tout à corriger. Tout à corriger pour aller rechercher tes ressources et ton potentiel. On est d'accord ? Oui. Bon, voilà. Donc, oublie tout ce qui s'est passé avant et tu repars avec une nouvelle copie. Tu tires rôle derrière. Allez, fais maintenant. Oui. Jeu de corps, vas-y, bambou. Maintenant. Et alors ? Bye. On se replace. Au milieu, toujours. Au milieu. Recule. On se replace. Parfait, les gars, parfait. Toi, tu es soit là, soit là. D'accord. C'est à toi de choisir le côté où tu sembles être à l'aise. D'accord. D'accord ? À partir du moment où tu es sur ce côté, par exemple, s'ils veulent jouer en exploitant ce couloir, on joue avec toi. D'accord. S'ils veulent exploiter ce couloir, c'est à eux de s'organiser pour pouvoir prendre ce couloir. C'est pas à toi d'aller de ce côté. Tu ne changes pas de côté. Tu veux prendre quel côté, toi. D'accord. Arnaud, il faut revenir. Cher, il faut revenir. Le voy. Bien. Titi, voilà. On a le ballon. Aïe. David, doucement. Doucement, on est sorti. Il sait bien ce qui s'est passé. David, discute pas. Joue. David, ici. Écoute-moi, Fredo. C'est pour ça que je te dis, là c'est un championnat. Si je me retrouve comme ça en compétition internationale, je suis dans la merde. Je te redis, tu as raison. Il te marche presque dessus sur le sol. Mais c'est des situations réalisables, c'est des situations envisageables. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Fredo, tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Je veux bien comprendre. Non mais... J'évite le gars pour qu'il va... Écoute-moi. Je te dis, c'est un cas d'école. D'accord ? C'est un cas d'école. Une fois de plus, tu ne m'as pas entendu. Depuis tout à l'heure, je râle, justement parce que je me rends compte qu'on se fait piéger sur cette logique du jeu. Ok, il te bloque la jambe. Ok, tu as raison sur ce principe-là. Mais ce que je te dis à toi, et c'est ma responsabilité, j'ai besoin de toi sur le terrain. Tu comprends ? Faut savoir esquiver ce genre de choses. Faut savoir les esquiver. Voilà. Maintenant, encaisse sur toi et reprends tes habits de joueur du groupe France et de capitaine. Quand on ne voit pas, on doit appréhender les espaces avec les repères reconstitués. Alors, des repères fixes et des repères mobiles. C'est par exemple des buts, c'est par exemple la place du guide derrière les buts, c'est par exemple l'emplacement des supporters. Les non-voyants, quand ils vont arriver dans cet espace-là, vont se l'approprier en se déplaçant, en le touchant, en le sentant, en le reconstruisant mentalement dans la tête pour pouvoir l'habiter. C'est comme vous disiez. Oui, c'est parti. Allez, oui. Sur place, on avance, on le recule. On avance, on le recule. Oui.
Les Jeux, 5 matchs pour être champion. 5 matchs, Brésil, Chine, Turquie, et puis les autres matchs derrière. Deux autres. Accepter de faire des erreurs et du déchet. J'en veux du déchet, là, ok ? J'en veux du déchet, ça veut dire que vous allez vous libérer, vous allez vous lâcher, vous allez jouer correctement. Lâcher, lâcher, lâcher. D'accord ? Ok ? On peut avoir vraiment dans notre tête le... comme si on voyait le terrain, quoi. C'est limite avec les couleurs, avec les cages en fond. Voilà, c'est comme... Ouais, c'est comme si on était devant une télé et on voyait la télé, quoi, et on voyait le terrain de Sissi Foot, quoi. Quand je joue aux échecs, voilà, dans notre tête, moi je sais, c'est ce que je fais, c'est voilà, je bouge les pions, quoi. C'est les joueurs, c'est des pions, le terrain, c'est la plaque d'échecs, et voilà, c'est vraiment, c'est schématisé comme ça dans ma tête. Dès que je rentre sur le terrain, il y a un axe qui est donné, par exemple, je vais toucher les poteaux ou je vais toucher la barrière. À partir de là, ça y est, dans ma tête, le schéma du terrain, il est fait. Je sais comment, par exemple, les joueurs, comment ils sont placés, je sais comment je peux me déplacer. Comme vous, voyant, quand dans la nuit, vous allez aux toilettes, vous n'allumez pas la lumière pour ne pas déranger, mais vous avez peut-être un peu moins l'habitude, donc vous allez... arriver à 10 cm du mur, et vous allez le sentir, vous n'allez pas percuter le mur, que nous, ça va être un mètre qu'on va sentir le mur, parce qu'on s'est habitué à sentir les masses. D'accord, il n'a plus ses yeux, mais il voit avec ses mains, il voit avec ses pieds, il voit avec ses oreilles. Pourquoi on dit qu'il voit avec tous ces éléments-là? Puisque, en termes médicaux, on va dire que ce sont des éléments de son corps qui lui apportent des éléments, des informations, ce qu'on appelle extéroceptives, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. Lorsqu'il va jouer avec ses mains, il va pouvoir sentir le déplacement de l'air autour de lui, avec tout son corps. Il va pouvoir sentir le soleil sur lui, savoir si le soleil est dans son dos. Ça veut dire que le but peut être derrière lui, à droite. C'est une manière, c'est un élément extéroceptif de plus. Avec ses oreilles, il va entendre. Il va entendre d'où vient le bruit, où va le bruit, où va le bruit que lui provoque aussi également. Le bruit qui l'entoure, le bruit qui vient vers lui, derrière lui, sur les côtés, partout. En fait, on regarde avec tout son corps lorsqu'on ne voit pas. Et c'est la faculté d'adaptation du corps, c'est ce qui fait que le corps est à la fois magique, intéressant, mais presque incompréhensible, parce qu'on voit les résultats, mais on ne comprend pas toujours le cheminement pour y arriver. Sensation du footballeur, c'est garder la balle au pied et rester la tête haute. C'est ce que nous demande aujourd'hui Francis Gillot, c'est pas regarder ses pieds, regarder autour ce qui se passe. Et je pense que ça pourrait nous aider, donc pourquoi pas le faire à l'avenir à l'entraînement de temps en temps. Oui, fais confiance, pas de soucis, y'a rien, oui. Bah écoute, maintenant tu vas essayer un peu double contact rapide. Rapide? Ouais, double contact, un peu pas rapide hein, comme tu fais avec son bandeau, mais un peu de vitesse. D'accord. D'accord, d'accord. Tu suis juste ma voix, il n'y a pas de problème, ça passera bien. Ah, non, ok? Again, double contact, oui. 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 Fais confiance, oui. Tu veux le ballon maintenant? Oui. On ne sait pas que c'était à ce niveau-là, qu'il y avait une possibilité de jouer au foot pour des non-voyants de cette façon. Je pense qu'ils se parlent beaucoup, donc ils arrivent aussi à développer d'autres qualités que peut-être nous on n'a pas dans notre nouvelle société où on est chacun dans son coin. Je pense que là, il y a une solidarité qui leur permet de gérer en équipe une situation. On se replace maintenant, on a la course, allez, allez, allez. Là, il prend un coup.
Là, il prend un coup parce qu'il n'a pas parlé. Il faut qu'il parle, là. Fais-les courir un peu en gardant le ballon. Voilà. Garde, fais-les courir, fais-les courir, fais-les courir. Ce que je te demande de faire, c'est de fixer à gauche, de laisser que la balle revienne et que tu partes. Ouais. Tu comprends ouais, surtout, j'ai pas d'interception. Voilà. Mais voilà, parce que regarde, tu fais ça, tu es là au milieu, le ballon est donné, tu le donnes toi à gauche, d'accord ouais. Et généralement, dès que tu donnes à gauche, tu cours. Donne en diagonale. Dès que tu donnes, tu cours. Et bien joué, on se replace. Fred, viens me voir. Tu ne joues pas. Viens me voir. Quand tu rentres dans la surface de réparation, essaie de gagner en explosivité et en vitesse de réaction. Tu es comme une grand-mère. Dans la surface de réparation, tu es comme une mémé. D'accord ? C'est les pieds, j'ai pas les pieds. De quel pied ? Mais justement, gagne en réactivité, d'accord ? En explosivité. Italien ! Allez, joue. Les deux autres, ils étaient là comme ça. Bon. Ah. Il s'occupe de vous, Yannick et, tu sens un peu tessé, et Christian, pardon, et tout ça, je plaisante. C'est Norbert. Norbert, c'est beau ça. Norbert Schultz. Très très bien, c'est beau. Par là, là, là je le trouve, tu vois. Tiens, passe-moi le passe-moi. Voilà. Et Yannick, c'est bon. Je suis presque au milieu de terrain. Là, je suis au milieu de terrain. Là, je suis au milieu, d'accord. Ce qui est, moi, m'agace, c'est que vous ne trouviez pas des solutions face aux problèmes. D'accord. Le football, c'est de chercher des solutions aux problèmes qui vous sont posés, c'est ça. Si vous fuyez systématiquement les problèmes, certainement, vous allez sortir de là en prenant plaisir. Mais vous n'allez jamais, si vous êtes face aux mêmes problèmes, vous allez buter sur les mêmes difficultés. Moi, je reviens, je vais à ma voiture. J'ai les... On a gagné, on a fait l'essentiel. Ouais. Maintenant, il reste du travail à faire. Hein. Pour les jeux de l'ordre, on commente d'un cran maintenant. C'est clair. Maintenant, il reste la ligne droite. Parce que les erreurs qu'on va commettre au jeu seront fatales. Champion donc, comme je l'ai dit précédemment, et qui conserve définitivement le trophée puisque c'est la troisième fois de suite. L'UNEDEV Bordeaux champion de la saison 2011-2012. Alors le meilleur joueur catégorie B1 est Frédéric Milon. Frédéric, quand il va recevoir le trophée de la marque de Toussaint. On a tous, nous voyants, eu à un moment donné de notre vie peur du noir. Tout simplement parce que le noir, c'est l'absence de lumière, c'est ce qui nous permet de pouvoir appréhender le monde. 90% de nos informations qui arrivent à notre cerveau sont des informations visuelles. On est vachement vigilant sur pas mal de choses que les gens, entre guillemets, ordinaires et qui voient. Et ils sont vachement sur le visuel, ils ne sont pas sur les sensations. Quand tu es défenseur, c'est magique quoi, de se dire, lui il a mis du parfum, tu le suis mais sur tout le terrain. Quoi. Limite, c'est vraiment, t'as bien fait de te parfumer. Quoi. Tu ne passeras pas à côté sans que je te voie. Quoi. Ce qu'il a développé au niveau du CCFoot est rapidement transposable dans la vie de tous les jours parce que on le retrouve plus apaisé dans la vie de tous les jours, moins speed, parce que par nature, l'information, le son, le bruit, la sollicitation des sens est une démarche agressive, est une démarche qui sollicite tout être humain et qui peut le rendre plus ou moins stressé. Notre objectif pour les Jeux de l'ombre, c'est de créer la surprise sur le podium.
Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire là qu'il faut être sur le podium parce que ce sera la surprise. On y sera sur ce podium. Jouer, joue, oui, oui, bye, oui, 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 plus technique, plus fin, voilà, plus fin, parfait, parfait, oui, oui, on lâche, oui, on change, écoute, Abdé, écoute, écoute, oui, gauche, gauche, oui, parfait, oui, 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 parfait, oui, oui, oui. Exemple de stratégie de compensation et de complémentarité, l'arbitre a en grippe un de nos joueurs. Hein. Voilà. Le premier réflexe que vous avez, c'est de ramener votre science et de faire de la philosophie sur le terrain. Ça, c'est de la perte de temps, de la perte d'énergie. Et n'oubliez pas notre spécificité, ça vous pompe de l'énergie et de la concentration et de la lucidité qui nous dessert dans le rendement au niveau du jeu. Et Abdé, oui. Ce matin on a fait un point par rapport à l'arbitrage. Oui. Oui, mais écoute-moi, tu dois jouer. Tu dois jouer. Non, tu ne joues pas pareil. Hein. Alors je joue comment? Non, tu te démerdes, mais tu joues correct. L'arbitre ne siffle pas ce que toi tu vois. Tu continues à jouer, ne t'arrête pas. Parce que là, tu mets ton équipe en difficulté, alors... Mais ça se voit, tu sens devant lui, bien tout sûr. Ça. Mais je m'en fous que ça se voit. Écoute-moi, je m'en fous que ça se voit. En international, ce sera la même chose, tu vas arrêter de jouer. En match, tu arrêtes de jouer systématiquement quand il y a un truc comme ça. En international, tu fais ça, je te sors. Tu comprends? Je te sors, c'est chiant pour toi, c'est chiant pour nous, et tu emmerdes l'équipe. Hein. Tu comprends, mon gars? Sers-toi de ça pour avancer, pour continuer à jouer. Même nous, avec Abdé, ayant connu les Jeux d'Athènes, on a été très surpris du pactage. Bah, les anneaux, ils les ont plus. C'est que les valides qui les ont. Et paralympiques, bah, c'est IPC. International, paralympique, comité. Personnellement, moi, je trouve que c'est dommage. Parce que logiquement, on essaie de s'inclure dans avec les valides. Et en fin de compte, ben, en faisant deux pôles, un avec les anneaux et un autre avec IPC, ça, personnellement, moi, je trouve que ça fait, ben, ça nous sépare encore une fois. Quoi. Jonathan Grangier. Number 6, Martin Baron. 7, Abderrahim Maya. 8, David Labar. And 10, Frédéric Vieroux. Substitutes, number 12, Frédéric Jeunesse. 4, Gaël Rivière. 5, Hakim Areski. 9, Arno Ajax. And 11, Ivan Wanji. Déjà, le premier match contre les champions du monde et paralympiques à Pékin, donc contre les Brésiliens. Match dur physiquement, techniquement et tactiquement, on a été très en place. On leur a posé énormément de problèmes. Je pense que limite sur ce match, je pense qu'on aurait pu les gagner, les Brésiliens.
C'était très, enfin, les deux premiers matchs, France-Brésil et France-Chine, ont été très très éprouvants. On a livré deux énormes matchs. Et ça a été, je pense qu'après on l'a ressenti sur le match de la Turquie. On n'a pas le droit à l'erreur. Le stade est plein. Et ça nous prouvait qu'on mérite d'y aller en demi-finale. Il fallait marquer au moins un but. On sait qu'on est qualifié pour la demi-finale, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Ça s'explique pas, quoi. En tout cas, moi, je trouve pas les mots, quoi. In a thrilling denouement to Group B, France needed a win and got a win. France are through to the semi-finals of the London 2012 Paralympic Games. L'Espagne, finaliste du championnat d'Europe. On a su les dominer au championnat d'Europe où on les a vraiment secoués. La demi-finale, France-Espagne, et c'est un match qui est très important en fait, parce que là on joue notre qualification pour la finale. J'ai dit tant pis, de toute façon c'est sur ce match où il faut tout, que toute l'équipe donne tout. La finale, ce sera un autre match, mais là, sur l'Espagne, il faut tout donner. Hein. Même si on doit sortir tous blessés, ou avec des cartons rouges, on se donne, et l'équipe a bien répondu présent, et on le voit par le score et par le jeu. J'étais ému par les demi-finales en fait, je pensais que c'était un rêve. Bien sûr que c'est un rêve en fait, bien sûr que c'est un rêve de faire une finale des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, c'est pas rien. Et j'avais les larmes aux yeux, c'est on est qualifié pour les Jeux, pour la finale, donc on va retrouver encore le Brésil. Ces années pour être uniquement en finale. Et je pense que vous également. Remobilisez-vous. Repartez dans cet esprit, ce corps, cette envie. Quand je ne vous sens pas dedans, quand vous commencez à lâcher des mailles, je dis attention, ok? On resserre tout ça et on se remet au boulot, les gars. Au boulot! Le relâchement, c'est demain soir, après la finale, qu'on aura gagné. C'est pas avant. Donc, on se recentre, on repart sur nos automatismes. Et surtout, les gars, demain, on la gagne, cette médaille. On la gagne demain. It is the gold medal final at London 2012. Would you please welcome to the Riverbank Arena, France and Brazil! Oh.
Boy. 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 La finale. Boy. Contre le Brésil. Contre la plus belle équipe du monde, la plus forte. Malheureusement, sur une grosse action, je touche le Brésilien et le Brésilien tombe dans la surface, en pénalty. C'était le match le plus long que j'ai joué. Voilà. On est rentré dans le match, on était tous très fatigués. Ils nous ont fait danser. C'est pas des Brésiliens pour rien. Ouais, bon, triste d'avoir perdu, mais bon, on a perdu contre plus fort. Please welcome your medalists. Les gens vont dire oui, mais c'est exceptionnel ce que vous avez fait, c'est une médaille d'argent aux Jeux paralympiques. C'est quand même énorme. Mais quand tu es sportif, que tu as travaillé 4 ans de ta vie pour atteindre l'or, entre guillemets, c'est un travail inachevé. Il y a de la déception et il y a un peu de joie, quoi. Je sais pas, en fait, c'est compliqué, quoi. Et après, ça reste une belle médaille, comme je dis. Je pense que la joie est à dépasser la déception. C'est une vraie médaille, c'est pas les médailles du championnat de France. Non, elle est magnifique, quoi. C'est une très belle médaille, ouais. Ouais, très lourde, ça fait mal au cou, quoi. On touche la médaille, on est dans le vif du sujet, et on la porte, on la touche, on lui fait des bisous, on la caresse. S'il peut le faire, qu'est-ce qui est impossible ? Qu'est-ce qui est impossible alors ? Si ce n'est le fait qu'il m'entraîne dans son jeu, dans une découverte de capacités humaines et de capacités collectives inimaginables. Take your hand. No one could see inside of you.